Bonjour à tous les futurs juristes et étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui, on parle de deux types de formations après le bac. Alors, certains d'entre vous viennent ou vont commencer leurs vœux Parcoursup et voudraient en savoir plus sur les formations post-bac pour pouvoir faire du droit par la suite. Et certains autres se questionnent sur les possibilités de master. Du coup, c'est une vidéo récapitulative des formations qu'il existe juste post-bac dans une première partie et les possibilités post-licence juste après ou post-bac plus 3, très concrètement. La formation qui vous permet d'accéder au master sans faire de détours, de problématiques, etc., c'est la licence. Il existe différents types de licences, que ce soit des bilicences avec du droit français, du droit anglo-saxon par exemple, du droit de la communauté européenne, etc. La licence de droit européen, pardon. La licence Common Law, qui est également une licence avec des petites particularités, des cours dans une autre langue, etc. Alors, afin que vous ne soyez pas surpris, lorsque vous arriverez à la faculté, moi qui sortais d'une littéraire, je faisais beaucoup de langues. Je faisais de l'anglais renforcé, j'en faisais donc 8 heures par semaine. Lorsque vous irez à la fac, en tout cas à l'université Paris-Escrétel, vous n'aurez que 1 heure et demie de langue par semaine en licence normale. Donc, vous n'avez pas du tout de langue. Pour toutes les personnes qui souhaitent continuer à avoir une pratique de la langue et qui semblent, et qui veulent, et qui trouvent ça important, et je suis d'accord avec eux, je vous conseille fortement soit de suivre des cours et de vous faire accompagner par le CNED, qui vous donne tout de même une accréditation et un diplôme pour le suivi des cours, ou la possibilité, ben voilà, des MOOC ou des cours particuliers ou des cours en supplément en anglais, parce que vous n'en aurez pas du tout. Voilà, des formations qui vous donnent accès à un bac plus 3 mais qui ne sont pas des licences. Quelles sont-elles? Alors, si vous souhaitez faire un DUT ou BUT, BUT carrière juridique, le DUT initialement durait 2 années. Au bout de 2 années, vous aviez donc un bac plus 2, ce que tout le monde trouvait logique. Et toutes les personnes qui souhaitaient poursuivre des études longues refaisaient une passerelle vers la faculté et avaient eu, du coup, du point de vue professionnel, un accompagnement, mais tout à fait une formation juridique, et revenaient à la fac pour continuer leurs études afin d'avoir un bac plus 3, donc un niveau licence ou licence professionnelle, pour intégrer un master par la suite. Sachez que si vous faites un BUT maintenant, car le DUT a été revalorisé en BUT, il dure 3 ans, mais vous n'avez qu'un niveau de bac plus 2. Cela veut dire que, vulgarisez vraiment le propos, vous perdez une année. Pourquoi vous perdez une année? Parce qu'en fait, c'est une formation qui vous propose également de faire des stages de longue durée et d'un accompagnement professionnel. Et la professionnalisation, c'est de l'expérience. Et évidemment, l'expérience, on ne l'acquiert pas avec uniquement un mois de stage. Donc, c'est la raison pour laquelle un BUT en 3 ans ne donne pas un bac plus 3, que vous préférez la professionnalisation ou que vous avez envie d'être accompagné parce que vous êtes vraiment laissé tout seul à la fac, surtout dans le contexte actuel. Sachez que votre formation ne dispense pas à elle seule la possibilité d'entrer en master. Il faudra donc repasser par une année, donc la 3e année de fac, si vous avez eu des bonnes notes, sinon retourner en 2e année de fac pour faire 2e, 3e année et potentiellement intégrer les masters. Vous avez également la possibilité pour certaines matières très spécifiques et spécialités reconnues et ne pas faire des études longues. C'est notamment le cas pour le BTS notarial. Un BTS, ça dure 2 années, ça vous donne un niveau donc bac plus 2, et vous rentrez directement dans la professionnalisation pour pratiquer cette profession-là. Alors c'est important de savoir, les BTS sont très professionnalisants. Contrairement à un BUT et DUT qui est entre la licence et la professionnalisation, un BTS, c'est l'apprentissage spécifique d'une matière en particulier. Vous apprendrez à être assistant de notaire, par exemple. Vous n'apprendrez pas à avoir une formation tout à fait générale dont vous pourrez vous servir partout. Donc si vous faites un BTS notariat, par exemple, et que vous souhaitez continuer à faire des études longues, vous reprendrez sûrement en licence 2, donc licence 2e année de droit. Une licence, c'est en 3 ans.
Voilà, donc ça c'est pour les formations qui vous sont proposées post-bac, si vous souhaitez dans les vœux. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur le sujet. Et maintenant je vous parle des formations générales à partir du niveau licence. À partir du niveau licence, vous avez donc la possibilité de faire différents types de formations et pas uniquement des masters. Je vais citer quelques masters et spécialités très générales que vous pouvez retrouver pour avoir que vous ayez des grandes thématiques, mais sachez qu'il y a plein de masters et de types différents puisqu'il y a du droit partout et pas mal de spécialités. Je vous invite donc à vous renseigner sur le sujet. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur des masters exceptionnels, sur quelques formations exceptionnelles que je trouvais très intéressantes à vous partager. J'augmente ma lumière. Alors, après avoir fait une licence 3, vous avez également la possibilité d'entreprendre un LLM. Un LLM, c'est un master de droit anglo-saxon. C'est un diplôme qui est reconnu comme un diplôme d'excellence en droit et cela vous permet également d'avoir une particularité si vous souhaitez faire par exemple du droit des affaires et dans ce cas-là avoir un dossier plus fourni. Vous avez également à la suite de votre licence 3 la possibilité de faire un DU, un diplôme universitaire, je l'ai expliqué dans les masters exceptionnels un petit peu pour vous refaire un topo, tout simplement, est une formation très courte spécialisante sur un sujet particulier. Par exemple, DU de criminologie ou DU droit du numérique et cybercriminalité. Donc vous avez une spécialité et des cours condensés, de la doctrine en condensé, un enseignement en condensé sur un sujet particulier. Ça vous permet d'avoir un diplôme, mais surtout une spécialité. Si vous souhaitez faire un master très général, volontairement, pour pouvoir vous ouvrir le plus de portes possible, vous aurez votre spécialité, vous acquérirez la possibilité de vous prévaloir d'un diplôme sur une spécialité. Je vais vous citer pour finir quelques masters que vous retrouvez très généralement. Et si vous avez des questions sur à partir de quand est accessible quel métier, généralement les métiers en droit les plus connus, les plus cotés, les plus médiatisés, ça ne veut pas dire ceux qui payent le mieux, attention, sont l'avocature, la magistrature, le notaire, etc. Donc ça, généralement, ce sont des concours qui sont accessibles à partir de si vous avez fait un BTS spécialisant à la fin du BTS, mais auquel cas, c'est à partir du M1. Donc, Bac plus 4, généralement. Pour pouvoir vous situer des masters qui peut-être vous donneraient envie, je ne vais pas introduire les masters dans leur spécialité, des masters de droit des affaires, des masters de droit public, des masters de droit privé. Si vous voulez savoir la distinction entre droit public et droit privé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est sur cette vidéo. Il y a également le master droit des entreprises, droit européen, droit international. International, c'est mondial, et européen, c'est particulièrement de l'Union européenne. Vous avez également le master de droit de la santé, ou un master en droit immobilier, master de droit de l'environnement, mais également master du notariat. Pour moi, deux grandes catégories de masters, les masters de pratique et les masters de recherche. Je m'explique, les masters de recherche sont là pour effectuer un mémoire, où généralement on vous demande une composition de mémoire à la fin du master, du coup, qui vous prépare potentiellement à la possibilité de faire une thèse, donc aller en doctorat. Donc c'est à partir de Bac plus 5 jusque Bac plus 9, 10, 11. Et il y a également les masters pratiques, donc eux qui préparent directement à la pratique, donc qui préparent soit au concours administratif par exemple, soit qui préparent tout simplement à rentrer directement dans la fonction juste après. C'est notamment le cas par exemple du master de droit de la compliance qui se fait en 2 ans et qui prépare et qui permet après le master d'avoir un poste de compliance officer sans pour autant passer à un concours particulier pour obtenir la dite pratique. Voilà. Et dans ce cas-là, vous faites des stages longue durée où vous partez pendant quelques mois, par exemple, à l'étranger en Erasmus, si vous ne l'avez pas fait pendant votre licence. Tout simplement, vous préparez vos concours. Voilà, donc j'espère que cela va pu vous être utile, a pu vous aider sur comment vous projeter sur l'avenir juste post-bac ou post-licence. En tout cas, n'hésitez pas à revenir voir moi si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit. Je suis joignable sur tous mes réseaux sociaux comme d'habitude. C'était Ifa de Geomancy Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits.